j'étais en haut des escaliers de Zalbar. Oui. Et là, tu es descendu. Et moi, j'étais dans un restaurant. Je m'en souviens très, très bien. Sketch, comment c'est venu entre la cuisine et le design pour moi, je crois que c'est venu naturellement, par instinct. Hein, c'est pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire un concept, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'ai juste fait. Et ce que je trouve formidable, c'est que tu restes le même, mais tu te régénères, tu te reconstruis. C'est l'enjeu, quoi. Garder le plaisir d'aller au combat, quoi, d'aller à la rencontre des gens. Il faut dire que c'est ton influence aussi. Oui. Et je ne suis pas en train de te faire des compliments, c'est ton influence qui m'amène à aussi tout le temps bouger. Comme tu dis, ça stocke. Tout le temps, ça vient de là. Ah, bah, clairement. Hein. Voilà. Mais moi, l'enjeu, c'est pas. Et franchement, c'est pas de surprendre pour surprendre. C'est pas mon ambition. Ça vient de là, quoi. C'est comme toi, quand tu fais tes décors, tu penses le lieu, tu le rêves et. Voilà, mais je suis comme toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je viens, on me demande de conceptualiser la nourriture, ça se conceptualise pas. Quand c'est conceptualisé, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'émotion, et l'humain n'est plus au milieu. Ouais, un restaurant, de toute manière, c'est tout. C'est le téléphone, c'est la manière dont tu reçois, c'est la chaleur, c'est le service, c'est la lumière, c'est le décor. Et puis évidemment, au milieu, tu as le plat. Et un réchaud. Merci Pierre. Belle histoire. C'est bon ?